Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'avancée ta matinale, un peu comme le calendrier de l'Avent du 1er au 25 décembre tous les matins à 7h et eh bien tout simplement on va se retrouver tous les matins pour une petite matinale. Ça va être une vidéo extrêmement longue comparée aux vidéos que je fais d'habitude, ça va être du 30, du 45, peut-être même du 60 minutes par vidéo. C'est vraiment une matinale, une sorte d'émission que j'ai eu envie de t'offrir pour eh bien cette fin d'année. Tout ce calendrier de l'Avent, au final, hein, tout ce 1er au 25 décembre, on va se retrouver ensemble pour faire eh bien, une sorte de petite émission avec à chaque fois une thématique précise et on va voir plein de choses ensemble. Ça va vraiment être un pur régal. Mais juste avant de commencer, il faut que je fasse un truc. Évidemment, c'est très important et du coup, j'ai qu'un one shot, hein, donc ça te prouve bien, eh bien que la vidéo est tournée en une seule fois. J'ai acheté pour l'occasion un petit calendrier de l'Avent, évidemment. Et eh bien, tous les jours, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai pris un truc célébration, parce que bah j'aime bien. Le seul truc que j'aime pas, c'est les Bounty. Voilà. La première case, c'est un Bounty. Voilà, donc ça régale. Hein. Bon, bah écoutez, je le donnerai à quelqu'un. Voilà, bah, ça me régale, franchement, bah, première case, je peux pas manger. Tant pis, c'est pas grave, j'espère que toi, dans le tien, tu seras content, tu auras ce que tu avais envie d'avoir. Écoute, sans plus tarder, eh bien, on est parti directement pour la première partie de cette émission de l'avancée. On va parler directement de l'astuce du jour. Alors évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais bon, tu l'as vu sur le titre de la vidéo normalement, ça va être une émission basée sur la lecture rapide, le fait de lire énormément. Mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tu puisses, pas immédiatement évidemment, mais que tu aies les clés pour pouvoir lire un livre par jour en une heure par livre. Donc en gros, que tu consacres uniquement une heure par jour et que tu puisses lire un livre tous les jours. Alors évidemment, c'est pas en finissant cette vidéo que tu vas être capable de faire ça, ça va demander un petit peu d'entraînement, mais ça va être justement tout le sujet de cette vidéo, donc ça va être une très longue vidéo dans laquelle on va voir pas mal de choses. Mais la première chose qu'on va voir ensemble, c'est l'astuce du jour, parce que j'ai envie de penser tout simplement aux gens qui n'aiment pas lire, qui n'ont pas envie de se forcer à apprendre à faire de la lecture rapide, qui n'ont pas envie de se forcer à lire tous les jours des bouquins. Je peux comprendre, j'ai été très longtemps comme ça, je détestais lire aussi. Et au final, j'ai pas envie de mettre les gens qui n'aiment pas la lecture complètement de côté et leur dire, bon ben tant pis, vous aimez pas la lecture, vous aimez pas vous taper des gros bouquins de 400 pages, eh bien tant pis pour vous, vous n'avez pas accès à la richesse de la lecture. Non, on n'est pas comme ça ici. Donc du coup, la première partie de cette émission, ça va être l'astuce du jour, pardon. Et on va voir ensemble, eh bien, simplement trois applications de résumé, de livres, qui vont, eh bien, simplement permettre aux gens qui n'aiment pas lire de lire très facilement, au final, en très peu de temps. Donc, les trois applications que je peux te recommander, c'est la première, Kuber, dont je t'ai déjà parlé moult fois dans mes vidéos, puisque c'est une application que j'utilise maintenant depuis presque un an, quasiment. C'est une application donc, de résumé de livres entièrement en français. Il y a quelque chose comme 1500 livres sur l'application, donc c'est pas mal du tout. Après, évidemment, 1500 livres, c'est un truc un peu d'accroche, puisqu'au final, tu vas pas lire les 1500 livres. En tout cas, ils vont certainement pas t'intéresser. Par exemple, il y a une catégorie spiritualité, une catégorie politique, religion, sexualité, tout ça. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Donc du coup, tout ce qui m'intéresse, c'est la productivité et faire des trucs de fou, hein, remplir des objectifs toute la journée, c'est mon kiff. Alors j'ai mon chat qui essaie de me monter dessus. Non, tu ne fais pas ça. Et donc voilà, mais il y a quand même beaucoup de livres, hein, pour satisfaire ta curiosité, peu importe le domaine dans lequel tu te situes. Kuber, il me semble que c'est du 10€ par mois à peu près. Je crois que c'est ça, 10€, 9,90€ ou quelque chose comme ça par mois. Donc c'est pas si cher comparé à tout ce que ça va pouvoir t'apporter. C'est une des offres d'abonnement les moins chères en termes de catalogue de résumés de livres. Donc honnêtement, c'est pas mal, Kuber. Franchement, moi c'est ce que j'utilise. Il y a la version audio aussi à chaque fois des Kubes. Donc ça c'est vraiment pas mal. Moi ce que j'aime bien faire, c'est le matin quand je me réveille. Alors je le fais pas absolument tout le temps évidemment, mais assez souvent quand je me réveille le matin, histoire de mettre un petit peu en route le cerveau, le temps que je boive mon café, etc. Je m'écoute tout simplement. Eh bien un livre audio et ça passe très bien comme ça. En fait, ça me permet un petit peu de lancer la machine. La deuxième application, ça va être Blinkist. C'est une application entièrement en anglais, je préfère le dire directement, comme ça au moins ceux qui détestent l'anglais, ceux qui ne parlent pas du tout anglais, vous pouvez complètement oublier cette application. C'est une excellente application. Au final, c'est une sorte de Kuber mais en anglais, du coup avec plus de livres, puisqu'il y a plus de livres
en anglais qu'en français, malheureusement. Il me semble que l'application dit qu'il y en a 4500. C'est toujours pareil, il y a tout un tas de livres que tu vas jamais lire de ta vie si tu utilises cette application. Donc c'est plus un chiffre d'accroche, on va dire. Mais on s'en fout, c'est quand même beaucoup. Et clairement, s'il y en a trois fois plus, ça veut dire qu'il y en a aussi plus que sur Coubeur dans les domaines qui t'intéresseront. L'application est un tout petit peu plus chère, je crois que c'est du 15€ par mois. Ça les vaut, honnêtement. Moi, je m'en suis pas servi énormément, puisque sur Coubeur, il y a tout ce qu'il faut pour moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs, mais j'ai utilisé la version d'essai, et honnêtement, l'application fait tout à fait le taf, c'est un peu comme un Coubeur au final, hein, donc il n'y a rien de sorcier, mais tu as plus de choix. Par contre, il faut un minimum savoir parler anglais, et j'ai dit bien un minimum, parce que clairement, les résumés sont plutôt expliqués de façon assez simple, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de fou furieux en anglais, mais si vraiment tu comprends rien du tout en anglais, bah malheureusement, ce ne sera pas possible pour toi. Et enfin, la troisième application, application que j'ai découvert il y a vraiment peu, alors que vu les avis sur l'App Store, l'application elle a 10 ans, c'est Get Abstract. Je ne sais pas si toi tu connais, moi je ne connaissais pas. C'est une application qui vaut 32 ou 33€, donc là tu te dis, waouh, putain, c'est très cher, oui. Par mois, c'est assez cher. Il y a l'offre à 300€ par an. Donc, clairement, c'est pas donné. Par contre, ils annoncent entre 18 000 et 22 000 livres, suivant où est-ce qu'on regarde. C'est-à-dire que le truc, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, tu vois. Il y a tous les ouvrages de l'univers dedans. C'est traduit en anglais, en français, en espagnol, en chinois, en russe, en allemand. Enfin bref, c'est vraiment un truc de fou. Pareil, j'ai testé avec l'offre d'essai. L'application est vraiment insane. Pour le coup, moi, j'ai kiffé. Après, voilà, c'est un budget, 30 et quelques euros par mois, c'est pas rien. Après, si tu lis énormément, bah clairement, 30 et quelques euros en 3 livres, tu les as dépensés. Donc au final, si tu lis 4, 5, 6, 10 livres par mois, bah, c'est rentabilisé de toute façon. Donc voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Si eh bien, tu n'aimes pas lire, si tout ce qu'on va voir après te fait un peu peur, apprendre à faire des lectures rapides, etc., ça peut faire peur clairement, eh bien au moins tu pourras ne pas être privé de la lecture, puisque c'est super important, et dans les livres tu trouveras toujours énormément énormément de bons contenus. Donc clairement, utilise ces applications si tu détestes lire, et ce sera super pour toi. On passe à présent au grand angle de cette émission. Ça va être la grosse partie de l'émission. À chaque fois, la structure va se répéter, hein, dans toutes les émissions. Là, on passe donc au grand angle. Alors, dans ce grand angle, on va voir ensemble comment faire pour lire un livre par jour en une heure tous les jours. Clairement, encore une fois, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu vas pas y arriver après cette vidéo, tu vas pas y arriver demain. Évidemment, la lecture rapide, ça demande de l'entraînement, ça demande des efforts, mais on va voir ensemble vraiment des techniques qui vont te permettre, eh bien, immédiatement en fait, d'augmenter la vitesse à laquelle tu lis. Donc ça va être divisé en trois parties. La première partie, ça va être lire plus rapidement, les astuces pour apprendre à lire plus rapidement, ne lire que l'essentiel, et enfin optimiser son temps de lecture. Donc on est parti immédiatement avec lire plus rapidement. La première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est pour toutes les clés que je vais te donner ensuite, c'est de t'entraîner sur un livre facile ou un livre que tu as déjà lu. Plus le livre va être dur, plus le livre va contenir des mots compliqués, etc. Si c'est un truc sur la métaphysique, ça va être beaucoup plus compliqué évidemment de t'entraîner que si c'est Petit Ours Brun. Donc utilise idéalement un livre assez simple, ou un livre que tu as déjà lu. Par exemple, si tu as déjà lu, je sais pas moi, Harry Potter ou Game of Thrones ou un truc comme ça, tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser ça, ou alors un livre de non-fiction que tu as déjà lu, eh bien tu peux t'en resservir. Moi, quand j'ai appris la lecture rapide, je l'ai fait avec le livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini, parce que ce livre, je l'ai lu 30 fois. Donc du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc clairement, utilise un livre simple, un livre que tu connais déjà très bien pour t'entraîner. Ça vaut en fait pour toutes les astuces que je vais te donner à partir de maintenant. Donc du coup, la première chose à faire pour apprendre à lire plus rapidement, ça va être d'utiliser un guide visuel et un métronome. Un guide visuel, pourquoi? C'est très simple. Quand tu vas lire, tes yeux en fait ne sont pas fixes. Tes yeux vont balayer la page de droite à gauche en boucle, en boucle, en boucle. Et ça va être un énorme problème. Parce que en fait, si tu prends un livre comme ça, tu vois là, tu poses, je vais mettre mon doigt pour faire comme si c'était ton regard, tu vois. Donc tu vas faire comme ça, et en fait, tu vas faire clac, 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 clac. Comme ça en boucle. Et ça, évidemment, tu t'en rends bien compte, sur une ligne, ça va. Sur des milliers de lignes qu'il y a dans un livre, tu vas perdre énormément, énormément de temps. En fait, ce qu'il faut, c'est que ton œil, tes yeux, arrivent à uniquement faire ça, techniquement.
tu vois, et qui ne reviennent jamais en arrière. C'est pour ça qu'on va utiliser un guide visuel. Alors souvent, à l'école, quand on apprend aux enfants à lire, on leur dit qu'il ne faut pas mettre le doigt. C'est des conneries. Malheureusement, l'école n'est pas irréprochable sur beaucoup de points, et évidemment, c'est faux. Il faut mettre son doigt quand on apprend à lire, c'est beaucoup mieux. C'est pas pour rien que tous les grands lecteurs, les champions du monde, etc., etc., de lecture rapide, utilisent un guide visuel. C'est clairement pas pour rien. C'est parce que tout simplement, tu ne vas jamais perdre ton regard. Donc, utilise un guide visuel. Moi, personnellement, j'utilise une baguette chinoise. En fait, le truc, c'est que plus c'est long et fin, mieux c'est, puisque du coup tu vas pouvoir pointer la ligne de loin sans avoir sans obstruer la page. C'est à dire que si tu le fais avec ton doigt, en fait le problème c'est qu'assez rapidement tu vas avoir un problème, c'est que tu vas bloquer avec le reste de ta main de la visibilité sur la page, et petit à petit quand tu vas augmenter ta compétence en lecture rapide, tu vas avoir besoin justement de ta vision périphérique pour lire aussi sur les côtés des mots que tu es en train de lire. Mais ça, on n'y est pas encore. Donc du coup, un truc assez long et fin, une baguette chinoise, moi ça marche très bien, tu peux utiliser un crayon papier, n'importe quoi, on s'en fout. Et un métronome. Pourquoi un métronome? En fait, le tout, ça va être d'arriver à lire à une vitesse qui va être constante et toujours la même. Donc ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas prendre un métronome, tu prends une application sur ton téléphone, n'importe quoi, un truc gratuit, on s'en fout, et par exemple tu vas mettre 30 BPM, ok? Donc toutes les 2 secondes, il va y avoir un tac, 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 ok, tu sais ce que c'est un métronome. Le tout, ça va être entre chaque tac, avec ton marqueur visuel, de lire une ligne. Donc ça va faire tac, 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 comme ça. Et ça, tu le fais par exemple, au début, c'était trop compliqué, tu le fais à 10 BPM, puis à 20, puis à 30. Et en fait, le truc, c'est que tu vas entraîner ton cerveau à une certaine vitesse, tu vas avoir de la régularité. Tu vas arriver, au bout d'un moment, le 10 BPM, peut-être que ça va être trop difficile, mais au bout d'un moment, ça va être facile. Du coup, tu vas passer à 20 ou à 15, etc., etc. Et en fait, tu vas pouvoir augmenter comme ça, toujours plus rapidement. Et au bout d'un moment, quand tu vas lire à 60 BPM, par exemple, tu vas lire une phrase par seconde, ça va quand même être bien plus rapide que ce que tu lis à l'heure actuelle. Ou je sais pas, peut-être que déjà tu lis très rapidement de base, mais tu m'as compris. Petit à petit, comme ça, le métronome va te permettre en fait d'avoir un entraînement régulier, toujours à la même vitesse. Et ça, c'est très important, parce que si tu commences à vouloir improviser à chaque fois, eh bien, tu ne vas jamais savoir véritablement où est-ce que tu te situes. Donc, tu t'entraînes comme ça, t'arrives au point où t'arrives plus à suivre le métronome, par exemple 45 BPM, ok, et du coup, tu vas te faire des sessions comme ça de lecture à 45 BPM. Au bout d'un moment, ça va être facile, tu vas passer à 50, etc., 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 et avec le temps, tu vas pouvoir lire à très haute vitesse, 100, 150, 200 BPM. Donc voilà, c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est de ne jamais subvocaliser. La subvocalisation, si tu ne sais pas ce que c'est très simple. C'est tout simplement que quand tu lis un livre, naturellement, tu vas entendre ta propre voix parler dans ta tête. Tu vas en fait te lire le livre à haute voix. Les gens pensent que si tu ne fais pas ça, tu ne comprends pas ce que tu lis. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Je vais donner un exemple très simple. Si tu vois un chat dans la rue, ok, est-ce que dans ta tête, tu as besoin de te dire « chat » ? Non. Tu sais que c'est un chat. Au simple regard. En fait, l'information que tu vas transmettre au cerveau en voyant l'objet, entre guillemets, tu m'as compris, l'entité chat, va être envoyée par tes yeux au cerveau et tu vas comprendre que c'est un chat. Eh bien, le truc, c'est qu'en fait, les mots, on peut les voir comme des entités, en fait, comme des apparences, comme des objets. Le mot chat, C-H-A-T, c'est un objet de 4 lettres avec une forme particulière. Tu vois, tu la vois la forme dans ta tête et au bout d'un moment, en flashant cette forme-là, le mot chat, ton cerveau va comprendre chat, exactement comme quand tu vois l'entité, un chat, avec 4 pattes, des poils, une queue, etc. Exactement, tu as bien compris. Donc du coup, ça, c'est très puissant. Et du coup, subvocaliser, ça sert à rien. Parce que le problème, c'est que quand tu vas subvocaliser, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir lire maximum à la vitesse à laquelle tu arrives à parler dans ta tête. Et clairement, c'est pas très rapide. Parce que même si tu peux avoir l'impression que tu lis très très vite, etc., en parlant dans ta tête, crois-moi, au bout d'un moment, tu vas débloquer une vitesse de lecture à laquelle tu ne pourras plus du tout suivre avec la voix dans ta tête. Donc ça, c'est très important de ne pas subvocaliser. Comment faire pour arrêter de subvocaliser? Tu me dis, ok, bon, eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement de compter dans ta tête. 1, 2, 3, 4. En fait, tu suis le métronome. C'est la meilleure façon de faire. Si ton BPM il fait tac, 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 eh bien, dans ta tête, en même temps, tu subvocalises le 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. Et en même temps, tu balayes avec tes yeux les lignes sans jamais subvocaliser les mots. Au début, ça va faire peur. Au début, tu vas avoir l'impression que c'est impossible. Je te garantis qu'au bout d'un moment, tu vas comprendre ce que tu lis sans avoir besoin de subvocaliser, exactement comme tu n'as pas besoin d'entendre le mot chat dans ta tête quand tu vois un chat pour savoir que c'est un chat. Troisième astuce que nous voyons ensemble, c'est de ne jamais revenir en arrière quand tu lis. Je m'explique. Imaginons que tu sois en train de lire un article, n'importe quoi, puisqu'au final, là, je te parle de livres, mais au final, si tu apprends la lecture rapide, ça te servira également pour lire des articles de blog, etc., des journaux, des magazines, ce que tu veux. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu lis, des fois, tu vas avoir l'impression « Ah, j'ai pas compris ce qui vient juste de se passer. » Et tu vas avoir envie de revenir et de relire une, deux, trois, quatre, cinq phrases que tu as déjà lues. Eh bien, crois-le ou non, mais ça sert à rien. Ton cerveau a une capacité incroyable pour combler les trous. C'est-à-dire qu'en fait, tu as peut-être l'impression de ne pas avoir compris ce que tu viens de lire, mais au final, ton cerveau, il va relier toutes les pièces du puzzle et il va réussir à comprendre tout ce qui se passe. Donc voilà, ne reviens jamais en arrière quand tu lis, en fait, ça sert à rien. Ton cerveau va combler les vides tout seul et il va réussir à comprendre eh bien, le sens global de la phrase. Enfin, la quatrième et dernière astuce qui va te permettre de lire rapidement plus vite, alors ça, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais en vérité, c'est pas beaucoup plus compliqué, ça va être tout simplement de fixer tes yeux naturellement uniquement sur les mots les plus longs. Pourquoi ? Puisqu'au final, si je te dis « guitare » ou « la guitare », t'as pas besoin du « la » pour comprendre la guitare en fait. Le mot « guitare » te sert à comprendre que c'est une guitare, puisque de toute façon, tu sais à peu près ce que c'est qu'une guitare. Donc du coup, dans la majorité des cas, en fait, les petits mots ne servent à rien. Un, une, la, le, etc, etc. Tu n'as pas besoin de lire tous les mots d'une phrase pour en comprendre son sens. Et en fait, je vais juste te donner un exemple, et tu vas te rendre compte que tu n'as absolument pas besoin de tous les mots d'une phrase pour comprendre cette phrase. On va faire un petit jeu, toi et moi. Je vais te donner trois mots, ok, trois mots uniquement. Je vais te laisser quelques secondes pour interpréter ces trois mots et tu vas te faire en fait une phrase, une représentation de ces trois mots. Tu vas demander à quoi ils correspondent, ok? Tu vas comprendre avec l'exemple, ça va être très simple. Moi, en amont, j'ai préparé une phrase. La phrase que je veux simplement que tu comprennes. Et avec ces trois mots, toi, la phrase que tu vas te faire dans ta tête, tu vas te rendre compte qu'au final, il y a de fortes chances qu'elle soit identique ou très proche à la phrase que moi j'ai écrite, alors qu'au final, tu n'auras eu que trois mots sur la totalité des mots. Donc les mots sont les suivants. Lion, chasser, gazelle. Voilà, tu as les trois mots. Maintenant, fais-toi ton histoire dans ta tête. En fait, avec les trois mots, lion, chasser, gazelle, qu'est-ce que tu comprends? Quel est le sens de la phrase que j'ai voulu te faire comprendre? Maintenant, la phrase que moi, j'ai écrite, c'est « Dans la savane, le lion se mit à chasser une gazelle afin de se nourrir. » Tu vois que ma phrase est beaucoup, beaucoup plus longue. Et pourtant, je ne suis pas dans ta tête, mais je suis prêt à parier que avec lion, chasser, gazelle, t'avais à peu près compris que le lion, il voulait chasser la gazelle pour se nourrir. Pourtant, tu n'avais pas toute la phrase. Et c'est là que tu comprends que lorsque tu lis, eh bien, tu n'as tout simplement pas besoin de lire toutes les phrases en entière. Les mots les plus longs, les mots les plus importants, te permettront de comprendre complètement le sens d'une phrase sans avoir besoin de tout le reste qui te donnera un contexte plus précis, certes, mais qui au final ne te donnera pas plus de concentration et ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas de concentration. De compréhension, c'était le mot, évidemment. Du coup, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, on continue. Donc voilà, c'était tout pour la partie lire plus rapidement. On passe à présent à ne lire que l'essentiel. Puisque, au final, lire plus rapidement, c'est pas uniquement être capable d'enchaîner les mots plus rapidement. C'est aussi lire moins. C'est-à-dire que si, au final, t'as une page qui fait 250 mots, ok? Si tu lis 50 mots, sur ces 250 mots, bah force est de constater que tu vas lire 5 fois plus vite. Pourtant, ta vitesse de lecture en tant que telle ne va pas forcément être plus rapide, mais si tu lis 5 fois moins de mots sur une page, tu vas lire 5 fois plus vite. Donc, il est très important, lorsque tu lis un livre, pour le lire en une heure en entier, c'est pas possible, à part si vraiment tu as des compétences en lecture rapide qui sont extrêmement développées. Mais là, on n'est pas en train de préparer les championnats du monde de lecture rapide, clairement pas. Moi, ce que je veux avec cette vidéo, c'est te permettre tout simplement eh bien, de
dès demain commencer à pouvoir lire beaucoup plus rapidement et te rapprocher de cet objectif de pouvoir enfin lire un livre entier de 300-400 pages en seulement une heure. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment pas lire l'entièreté du livre. Et il ne faut pas faire ça. En fait, les livres de non-fiction, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'énormément lire, c'est pas des livres, c'est pas des romans, tu vois. T'as pas besoin de lire du premier au dernier mot du livre pour tout comprendre dans le livre. Pas du tout. Donc du coup, on va sauter évidemment des passages. Première chose que je vais te demander de faire, c'est tout simplement, quand tu prends un livre, de prendre le sommaire, de le lire attentivement et de repérer à l'avance, tu peux même stabiloter sur le livre si tu veux, les chapitres qui t'intéressent. Parce que en vérité, tu vas vite te rendre compte que dans beaucoup de livres, eh bien, tu as des chapitres qui ne t'intéressent absolument pas. La préface de l'auteur qui fait 20 pages, je m'en fous. Si je suis venu sur ce livre, c'est pour avoir une information précise. Par exemple, si c'est un livre sur la lecture rapide, eh bien, je vais avoir envie d'utiliser ce livre pour apprendre à lire plus rapidement. La préface qui dure 5, 10, 15, 20 pages, je m'en fous complètement. Ça dégage. Pas besoin de la lire. Et déjà, tu as gagné de la vitesse. Ça peut être n'importe quoi au final. Il peut tout à fait y avoir des passages, des chapitres dans le livre qui ne t'intéressent juste pas. Et du coup, à ce moment-là, eh bien, tu sais d'avance que tu ne vas pas lire ces chapitres. Deuxièmement, il y a des livres, pas tous malheureusement, mais quand même pas mal, qui proposent en fin de chacun des chapitres, en fait, une sorte de récapitulatif sur une ou deux pages du chapitre. Eh bien, si jamais c'est le cas du livre que tu veux lire à ce moment-là, la première chose à faire, c'est d'identifier les chapitres, comme on l'a vu, que tu veux lire, et ensuite d'aller directement à la fin de ces chapitres-là, et de lire directement le résumé, en fait. Tu vas d'abord lire le résumé avant de lire le chapitre. Pourquoi ? Parce que dans le résumé, bah, tu t'en doutes bien, il y a toutes les informations majeures, même si elles ne sont pas forcément ultra détaillées, tu auras toutes les informations majeures dès le début. Et comme ça, ensuite, quand tu vas aller lire le chapitre en question, comme tu auras déjà eu toutes les informations majeures dans ta tête, tu vas comprendre beaucoup plus rapidement de quoi parle le chapitre, tu vas comprendre les structures de phrases, tu vas comprendre directement où veut en venir l'auteur, et donc au final, tu vas juste lire beaucoup plus rapidement le chapitre. Donc très important, au début, si... C'est pas malheureusement dans tous les livres qu'il y a ça, mais si dans le livre que tu es en train de lire, eh bien, il y a un petit résumé de fin de chapitre à chaque fin de chapitre, surtout tu le lis en premier. Deuxièmement, troisièmement plutôt, ce que tu peux faire pour t'entraîner, et tu verras que ça marche plutôt bien, c'est de ne jamais lire que, enfin plutôt de toujours lire uniquement le premier paragraphe en haut de la page et le dernier paragraphe en bas de la page. Donc au final, si ta page, elle est, je pose l'iPad, elle est comme ça, tu vois, tu vas lire que ça et que ça. Tout le reste au milieu, tu le lis pas. Ça va te paraître un petit peu bizarre au début, un peu contre-intuitif, c'est tout à fait normal, mais tu vas te rendre compte qu'en faisant ça, tu vas choper énormément d'informations. En fait, le truc, c'est que quand on fait de la lecture rapide comme ça, le but, c'est pas d'apprendre par cœur le livre. Okay. C'est pas de passer un moment incroyable à lire ce livre. Le but, quand on veut faire ça, c'est tout simplement de télécharger un maximum d'informations sur un sujet en un minimum de temps. Si tu es capable de lire ce livre en une heure, évidemment que tu vas pas le lire de A à Z. Mais le plus important, c'est que tu chopes 80-90% des informations importantes du livre. Pas que tu passes un moment de lecture super agréable au bord de ta piscine. Non, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est télécharger de l'information dans notre cerveau directement. Donc ce que tu vas faire, voilà, c'est ça. C'est tout simplement juste lire le premier paragraphe et le deuxième. Premier, deuxième, premier, deuxième. Et là, tu te rends compte qu'évidemment, tu vas lire beaucoup plus rapidement puisqu'il y a quand même quasiment 50% de la page que tu vas pas lire. Donc au final, un livre qui fait 400 pages, d'un coup, il va en faire plus que 200. Si à ça, t'enlèves les chapitres qui t'intéressent pas, peut-être qu'il va en faire que 120. Si à ça, tu enlèves le fait de lire d'abord les résumés et du coup d'avoir moins besoin de lire sur les trucs, sur les pages normales, dans les chapitres, eh bien, déjà, tu te rends compte que ta vitesse de lecture va énormément augmenter. Et si en plus de ça, tu ajoutes toutes les techniques qui vont te permettre d'augmenter la vitesse à proprement parler de ta lecture, eh bien là, t'es le roi du monde. Dernier conseil qui, au final, rejoint un petit peu tous les autres, n'hésite pas à sauter les pages qui ne t'apprennent rien. C'est-à-dire que parfois, l'auteur va juste donner une petite anecdote. Parfois, l'auteur va se répéter. Parfois, l'auteur va dire un truc que tu connais. C'est pas parce que tu lis un livre que tu connais absolument rien du tout qui est dit dans ce livre. Peut-être que tu as déjà un petit peu de connaissance dans le sujet. Et du coup, l'auteur va peut-être à un moment donné parler d'un truc que toi, tu connais déjà.
eh bien, n'hésite pas, tu sautes ces pages-là. En fait, le moins tu auras besoin de lire, le plus tu vas lire rapidement. C'est logique, mais au final, eh bien, c'est comme ça qu'on lit très rapidement un livre. Enfin, troisième partie, optimiser ton temps de lecture. On va maintenant voir des petits conseils qui vont tout simplement te permettre d'optimiser ce temps dans lequel tu vas lire. Premièrement, lire dans un calme absolu. Très très important. Quand on fait de la lecture rapide, c'est pas facile, c'est pas évident. Okay. Donc on a besoin de pouvoir se concentrer. Donc lis dans un calme absolu, ça te permettra vraiment d'augmenter ta vitesse de lecture et de comprendre plus d'informations, évidemment. Deuxièmement, lire dans un moment où tu es en forme. C'est-à-dire que vraiment, la lecture rapide, ça va te demander de la concentration. Tu vas avoir besoin de concentrer ton énergie, toute ton attention sur ce que tu vas être en train de faire, puisqu'au début, ça va pas être naturel pour toi. Et en plus de ça, ce que tu veux, toi, c'est lire le plus vite possible pour obtenir le plus de connaissances possible. Et évidemment, pour avoir tout ça, eh bien, il faut que tu sois en forme. Donc, ne relègue pas la lecture à un moment pourri de ta journée où tu es fracassé et voilà, tu n'as plus d'énergie. Non. Si tu veux obtenir toutes ces informations et lire très rapidement, utilise un moment dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu es vraiment en forme. Du coup, pas après manger, par exemple. Troisièmement, parce qu'on a encore quelques astuces, bois un café ou une boisson stimulante. Le thé, il me semble que la théine, c'est stimulant. Il me semble que oui. Donc voilà, un bon vieux Red Bull ou un bon vieux Monster. Non, je te conseille pas, c'est de la merde. Mais voilà, un bon café, en vrai, juste avant de lire, 30 minutes avant de lire, mine de rien, c'est toujours ça de prix. On est dans l'optimisation, donc c'est clairement pas ce qui va te faire multiplier par 4 ta vitesse de lecture. Mais optimiser, ça passe par des petits détails qui, mis bout à bout les uns avec les autres, eh bien, feront quand même une différence. Donc petit kawa, 30 minutes avant de lire, hop là, ça passe directement dans l'âme et tu vas augmenter ta vitesse de lecture comme ça. Quatrièmement, lire bien assis, les pieds au sol, être bien, être confortable, ne pas être avachi sur son livre, etc. C'est très important pour la concentration notamment et comment expliquer ça? En fait, plus tu vas être mal installé, plus ton corps va prendre le signal de ce que je fais, c'est pas important. Plus tu vas te sentir bien, droit, etc., les pieds dans le sol, etc., plus ton signal dans le cerveau va être « Ok, je suis dans une activité importante, donc let's go, je vais me concentrer. » En gros, c'est ça. Donc toujours bien t'installer, et puis en dehors de ça, même être confortable pour lire, c'est quand même plus agréable. Et lire assis, c'est beaucoup plus simple pour utiliser le marqueur, etc., visuel. Enfin, cinquièmement, ne jamais lire couché. Sauf si c'est pour te détendre, hein, si tu lis un livre de fiction avant de dormir, pourquoi pas. Mais ne lis jamais couché si tu veux faire de la lecture rapide. Premièrement, parce qu'utiliser un marqueur visuel couché, bah, c'est abominable. Deuxièmement, parce que lire couché va baisser comme ça ta tête. En gros, tu vas écraser ton cou, c'est normal. Ça a dû me faire une belle tête, comme ça. Bon, bref, si tu te mets comme ça, en gros, tu vas couper l'afflux sanguin vers le cerveau. Oui, on est dans l'optimisation, mais du coup, tu vas avoir moins de sang qui vont pouvoir circuler et donc, ça va être plus compliqué de lire, simplement. Ça, c'est vraiment une astuce que j'ai lue dans le livre de Tony Buzan sur la lecture rapide. Ça m'a étonné, ça m'a surpris, mais écoutez, c'est le boss en la matière, donc s'il le dit, on le fait. Donc voilà, c'est tout pour ce grand angle sur la lecture rapide. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu en as tiré des connaissances. Et à présent, on va passer à la troisième partie de cette émission, l'avancée, la matinale tous les matins à 7h du 1er au 25 décembre. Eh bien, ça va être la partie, le débat. Le débat du jour, c'est tout simplement, préférez-vous les livres papier ou les livres numériques? En fait, j'ai fait cette section, tous les jours, il y aura une petite question, un petit débat, puisque j'ai envie tout simplement de pouvoir parler avec vous. Donc, n'hésitez pas eh bien, à répondre dans les commentaires à ce débat. Est-ce que vous préférez les livres papier ou les livres numériques? Avec attention, je mets une petite condition, vous devez en choisir qu'un seul. Puisque oui, moi aussi, je suis tenté de dire, j'aime bien les livres papier pour la collection, pour les beaux ouvrages, etc. Et j'aime bien les livres numériques parce que c'est pratique, etc. Non, 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 pas de ça ici. Un avis tranché, si on doit en choisir qu'un seul, et l'autre, il disparaît à tout jamais de la surface de la Terre, lequel ce serait papier ou numérique? Je vais faire mal à beaucoup de gens, à beaucoup d'amoureux de la lecture, je le sais. Mais moi, c'est le numérique. Voilà. J'adore le livre papier. J'en ai eu énormément. J'en ai acheté
beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, et au final ça m'a coûté une bibliothèque et ça m'a coûté beaucoup trop de place et aucune, praticité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu pars ailleurs, tu bouges, tu déménages, n'importe quoi, t'as des cartons qui pèsent des tonnes, donc je suis passé au numérique il y a un an de ça à peu près, avec la, il y a un an, puisque j'ai eu la Kindle en cadeau d'anniversaire à Noël. Oui, mon anniversaire c'est le 25 décembre, et oui, donc attention, l'émission du 25 décembre elle sera incroyable, je vous le dis d'avance. Donc du coup, ouais, je suis passé sur la Kindle il y a quasiment un an maintenant, et je ne lis plus que sur Kindle, à part quand j'ai besoin de mes livres que j'ai gardés, les livres les plus importants, ceux que j'aime le plus. À ce moment-là, je ne les ai pas rachetés sur Kindle, tu t'en doutes bien. Mais maintenant, je ne lis plus que sur Kindle ou sur mobile, iPad, etc. Avec Uber, par exemple, avec les résumés écrit. Mais voilà, au final, je ne lis plus qu'en numérique. C'est pour moi beaucoup plus pratique à stocker. Le papier, c'est trop encombrant. C'est transportable partout. C'est-à-dire que là, je vais n'importe où dans le monde, j'ai ma Kindle, j'ai tous mes livres qui sont avec moi en permanence, et c'est quand même incroyablement pratique. Et enfin, troisième argument, c'est tout simplement que les livres numériques sont moins chers. Et mine de rien, au bout d'un moment, quand tu lis 100-200 livres par an, 20 balles le livre, frérot, ça commence à faire cher. Au bout d'un moment, c'est plus possible, tu vois ce que je veux dire? Donc, avec moi, je n'achète même pas mes livres Kindle, hein. J'ai l'abonnement Kindle, c'est 10€ par mois il me semble, et du coup je peux sélectionner dans la bibliothèque Kindle, je sais pas combien il y a de livres, mais il y en a vraiment beaucoup, je crois 100 000, un truc comme ça, et en fait j'emprunte les livres, c'est 10 balles par mois et c'est très bien. J'ai arrêté d'acheter des livres clairement parce qu'au bout d'un moment ça coûte vraiment trop cher. Donc voilà, c'est le débat du jour. Est-ce que toi tu es plutôt livre papier ou livre numérique? Si tu ne pouvais en choisir qu'un seul, lequel ça serait? Je te laisse répondre à ça dans les commentaires et on pourra débattre tous ensemble. Les gens qui vont être en mode non, mais c'est un scandale, le livre numérique c'est de la merde, et puis il va y avoir les autres qui vont dire oui, mais le livre numérique c'est plus pratique. Enfin bref, ça va être incroyable dans les commentaires, évidemment toujours avec le respect, et puis j'essaierai de répondre à tout le monde pour qu'on puisse débattre de tout cela ensemble. On passe à présent à la quatrième partie de cette émission, c'est les astuces, les tips de Tonton PH. Alors maintenant on est dans la dernière partie de cette vidéo, c'est les tips de Tonton PH, c'est des petits tips que j'ai envie de te donner à droite à gauche comme ça, des trucs que j'ai trouvé dans mes lectures, que j'ai pu apprendre dans des vidéos, dans des formations, n'importe, que j'ai pu expérimenter moi-même. Ça va être juste des petits conseils comme ça à droite à gauche, à grignoter, à partager, c'est formidable, on se régale, qui vont tout simplement t'apporter un petit peu de vie dans ton quotidien. Voilà, ça veut rien dire mais on s'en fout. La première des astuces que j'ai envie de te donner, petits tips de Tonton PH, oui c'est moi Tonton PH, c'est tout simplement l'effet Zeigarnik, il me semble que je le prononce comme il faut, je suis pas sûr, je ne suis pas russe, je crois que c'était un scientifique russe. En gros, c'est un effet du cerveau humain sur la gestion des boucles ouvertes et des boucles fermées. Comment te dire ça? Très simplement. Lorsque tu fais quelque chose et que tu t'arrêtes de le faire, ton cerveau va continuer en tâche de fond à réfléchir à ça. En gros, c'est ça l'effet Zeigarnik. C'est-à-dire que, est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi tu es en train de bosser sur un truc, ok? Il te faut une idée, tu trouves rien, ça te saoule, tu cherches, tu cherches, tu cherches, ça vient pas, ça vient pas. Alors pourquoi est-ce que d'un coup ton idée elle vient quand tu es au rayon fruits et légumes de Carrefour? Ou pourquoi est-ce que le nom de ce mec que tu cherchais, tu sais, cet acteur là que tu cherchais, il te revient à 4h du matin? Eh bien, c'est ça, l'effet Zeigarnik. C'est tout simplement le fait que lorsque tu ouvres une boucle, une question dans ton cerveau, le cerveau va n'avoir de cesse en tâche de fond de chercher une solution à ce problème. Le cerveau, le subconscient, c'est des millions d'informations qui peuvent circuler par seconde. Donc, clairement, t'inquiète pas que même si tu t'en rends pas compte, ton cerveau continue à chercher le nom de ce footballeur brésilien qui jouait dans les années 47 et que tu as perdu. Tu l'avais sur le bout de la langue, mais tu l'as perdu. Et c'est pour ça que d'un coup, deux semaines après, tu vas avoir l'impression limite que tu reprends ta conversation où tu l'avais laissé avec ton pote en disant « Ah mais oui !» Évidemment, c'était Pelé. Voilà. Donc ça, c'est l'effet Zeigarnik. Alors comment est-ce que maintenant on va s'en servir? Puisque bon, je t'ai expliqué quel était le fondement de cet effet, mais maintenant, comment on va pouvoir s'en servir pour qu'il nous serve à nous à quelque chose? Déjà, tu as deux utilisations. La première, c'est si tu veux
avoir des idées. Parce qu'il y a des moments où, du coup, eh bien, tu vas être bloqué. Tu ne vas pas avoir d'inspiration, tu ne vas pas réussir à avoir la créativité que tu as envie d'avoir. Et la pire chose à faire, ce serait de continuer à forcer encore et encore et de ne pas trouver l'idée, l'inspiration, ce que tu cherches. Donc à ce moment, on va mettre à profit l'effet Zeigarnik ensemble. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre au travail, tu vas commencer à bosser et tu vas volontairement t'arrêter net dans ce que tu es en train de faire, dans ta réflexion, au bout de 5 à 10 minutes. Tu vois, tu t'arrêtes net et tu vas faire quelque chose de complètement différent. Ce que tu veux, tu vas marcher, tu vas regarder un film, tu vas parler avec quelqu'un, tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas bouffer, peu importe. Tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu étais en train de faire. Et tu vas te rendre compte qu'en tâche de fond, ça va tourner. Et en réfléchissant un petit peu, ça va tourner dans ta tête, tu vois. Et tu vas débloquer des idées très rapidement comme ça. Donc ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir utiliser cet effet pour débloquer des idées, tout simplement, qui vont venir dans ta tête comme ça, des fulgurances. Maintenant, il y a un deuxième effet. C'est l'effet un peu relou de cette méthode. C'est-à-dire que parfois, tu n'as pas envie, quand tu es en vacances, de penser au travail, tout simplement. Donc du coup, le problème, ça va être d'arriver à fermer ces boucles-là pour ne pas qu'elles se réouvrent à des moments dans lesquels on n'a pas envie qu'elles s'ouvrent. En fait, l'effet négatif de l'effet Zeigarnik, c'est tout simplement que les boucles vont se réouvrir parfois à des moments où tu ne voudrais pas qu'elles se réouvrent. Par exemple, tu es en vacances, tu n'as pas envie de penser au travail. Tu es au cinéma, tu n'as pas envie de penser au travail. Tu passes un moment avec ta femme, tes enfants, n'importe quoi, tu n'as pas envie de penser au travail. Et du coup, comment faire pour fermer ces boucles avant de partir en vacances, par exemple? Eh bien, il se trouve que visiblement, en tout cas, les études le montrent, le cerveau ne fait pas très bien la différence entre une tâche qui est complètement terminée, et du coup, si elle est terminée, tu ne vas pas avoir tendance à y repenser, et une tâche qui est organisée. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas pouvoir faire pour te sécuriser, entre guillemets, le fait de ne pas repenser à ça et de ne pas déclencher cet effet quand, par exemple, tu pars en vacances, c'est de prendre une tâche et de l'écrire, de la détailler en fait, de faire une sorte de plan détaillé de comment tu vas faire pour résoudre ce problème, comment tu vas faire pour résoudre cette tâche. En fait, si tu fais ça, une fois que ce sera écrit sur du papier ou sur une application, peu importe, ton cerveau va se dire « Ok, c'est bon, il a déjà bien avancé dessus, j'ai pas besoin de chercher en fait des réponses puisqu'il a fait un plan détaillé, donc il a déjà toutes les réponses. » Donc voilà, il y a deux effets. Pour récapituler à l'effet Zeigarnik, le premier, c'est qu'en gros, tu vas pouvoir t'en servir en commençant une tâche, en t'arrêtant immédiatement et en faisant autre chose complètement différent. Ça te permet de trouver des idées en tâche de fond. Et le deuxième point, c'est tout simplement pour ne pas activer cette tâche de fond-là, eh bien, d'organiser ton problème en fait à l'avance et de réussir à faire une sorte de plan détaillé, etc. Ça va te permettre de ne pas activer cet effet dans ton cerveau et donc du coup de ne pas repenser à ton travail pendant que tu es en train de siroter une piña colada au bord de la plage. Et bien voilà, c'est tout, c'est fini pour ce premier épisode de cette matinale de l'avancée, la matinale pour avancer sur tes objectifs. Sans déconner, le nom, il est pas magnifique. Je me suis creusé le cerveau, hop là, et j'ai créé un nom incroyable, c'est l'Avent. C'est pour calendrier de l'Avent et en même temps avancer sur tes projets, etc., etc. Putain, c'est incroyable, je sais, merci, ça me fait plaisir. Si, eh bien, cette première matinale, si ce premier épisode t'a plu, n'hésite pas à me faire tous les retours que tu veux dans les commentaires, je prends. C'est-à-dire qu'au final, c'est quelque chose que je prépare juste la veille pour le lendemain, pour que ce soit frais, etc., pour que les infos que je te donne, elles soient vraiment les plus fraîches possibles. Donc là, tu vois cette vidéo à 7h du matin, enfin en tout cas, elle est uploadée à 7h du matin le lundi, non pas du tout, le mercredi 1er décembre, ok? Ben moi, là, on est le 30 novembre, c'est-à-dire juste la veille, et je fais ça tous les matins, enfin tous les jours pour le lendemain matin. Donc du coup, j'ai vraiment le feedback en temps réel. Les commentaires que vous allez me mettre sur la vidéo de demain, eh bien moi, je les aurai directement pour implémenter dans la prochaine. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à partager, honnêtement, à mettre en avant ce concept de vidéo, tout simplement parce que ça m'a demandé énormément de travail et ça va m'en demander beaucoup. J'imagine que vous pouvez largement imaginer qu'une vidéo de 30 minutes à 1 heure à faire tous les jours avec tous les sujets dont je vous ai parlé là par exemple dans cette vidéo et à le faire tous les jours
plus le montage, l'upload, etc. pendant 25 jours. Je vais pas respirer, les gars. Donc voilà, si vous voulez récompenser ça, bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et à partager un maximum de personnes. En attendant, moi j'espère que cette première matinale vous aura plu, que ça va vous servir à vous développer dans votre vie. L'objectif vraiment, c'est de vous accompagner sur cette fin d'année et tout simplement que ensemble 2022 on éclate tout. Donc voilà, 25 jours pour bien se former, pour apprendre plein de choses, et ensuite boum, on attaque 2022 et on va tout casser tous ensemble. Ça va être incroyable. En attendant, nous on se dit à demain. Prenez soin de vous. Restez fort et restez focus, évidemment. Tchuss !